Toi, t'as pas du plat? Je peux croire ça. Non, je crois pas avoir de plat. Enfin, j'en sais rien en fait. Si, peut-être, mais. Bon, bah écoute. Ça, c'est pas un plat? Non, c'est un cruciforme. Écoute, hein. Ça tient pas de plat, alors. On improvise. Oui, je sais, je présente à toute la communauté des Xbox. Voilà ce qu'on pense de Microsoft. Voilà. C'est démonté. Ah putain. Bon bah voilà. Bon bah comment on verra une console en 30 secondes. Bon bah faire la même chose sur la deuxième. Bon bah Xbox est à peu près remonté. Hein. À peu près. Ouais. Tu crois que la marche hein? Ouais. Ouais. Attends, je vais finir de l'emboîter correctement. C'est un minimum. Vas-y. C'était un minimum. Ouais. C'est un peu mieux. Ça fait des bruits bizarres, mais. Ah, voilà. Ouais, ça passe, hein. Ouais, ça voilà. Passe. Je suis sûr que les SAV sont tellement cons qu'ils crameraient rien. Moi, je te dis ça. Tu vends ça d'occasion à Micromania, il capte que dalle. Surtout qu'il ne teste pas. Oups, ah. Pardon, je me suis cramé. Intéressant à savoir ça. Il ne teste pas les consoles. Donc ça veut dire que si vous la pétez comme ça, vous avez une chance de. On fait ce qu'on peut pour emboîter. Non, je sais pas pourquoi, parce que je crois qu'il. Bon, après, il y en a une deuxième, et puis voilà, il y en a une troisième, mais elle est déjà en vrac. Non, c'est juste, j'ai eu un petit problème de démontage, non, je sais pas, il y a un truc que j'ai dû foirer. J'ai dû y aller un peu trop vite, j'ai dû brûler quelques étapes sans faire attention, et du coup, bah, j'ai l'impression que je vais mal démonter. Ça a l'air de se voir sur certaines pattes. Hein. État normal, état pas normal. C'est les choses qui arrivent. C'est les risques du métier. Bon, je précise que... En apparence, comme ça paraît remonté, mais le bouton éjecte ne fonctionne plus. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut tomber dessus maintenant. Au pire, le bouton éjecte, c'est pas grave, hein, c'est pas très utile. Ah, la façade va pas rentrer. Bon, la façade, c'est encore moins utile, à la limite. Elle va rentrer. À la rentrée. Voilà, elle est rentrée. Elle est rentrée, on est d'accord. Il y a quelque chose qui se balade dedans, je crois. Oh, il ferme la carina. C'est bon. On peut la rendre. Micromania sera content. On repasse à celle-là, mais on va être plus calme. Bon, je précise, je viens d'enlever la façade. Hein. Je découvre des liquides, enfin des substances étranges. Ça, je crois que c'est du café. Je sais plus ce qu'elle avait dit, des yo, ce que c'était. Elle nous avait dit ce que c'était, mais bon. Oui, je précise qu'il faut bien, quand vous démontez une Xbox, bien enlever patte par patte hein, les bouts de plastique. C'est important, sinon ça les fragilise. Hein. Ouais. Des choses qui arrivent. Voilà. Là, pareil. Mais j'y vais plus doucement quand même. Bah là, de toute façon, c'est préférable. De toute façon, celle-là. Encore que celle-là, je suis pas sûr qu'elle refonctionnera un jour. Hein. Mmh. C'est ça quand on fait une mise à jour et qu'il y a une coupure de courant. Voilà, alors si un jour il y a une grosse mise à jour dashboard ou quoi que ce soit... Regardez s'il n'y a pas de l'orage dehors avant. Voilà, parce que sinon votre console elle est fichue complètement. C'est pour ça que je regarde la météo moi avant de faire une mise à jour. C'est con hein, quand ça arrive, hein, mais il a fallu que ça arrive sur cette Xbox quoi. Par contre j'ai pas trop le choix, hein, j'ai pas les outils. Voilà. Non. C'est pas moi les gars. Ok, c'est pas lui. Bah, je suis désolé. Bon, sur les vis, j'ai dit que j'étais moins grand quand même. Sur les vis, ça va être moins grand. Putain, mais elle a pris feu la console. Non, mais il a renversé, je sais pas quoi dessus. C'est vrai qu'une console, c'est fait pour avoir du café dessus. Ça assoit le tourisme. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'elle l'avait démonté à la base. Hein. C'est parce que. Parce que
la personne en question avait renversé du café dessus. On ne citera pas... Le nom. On ne citera pas Enzo. Et du coup, il a fallu nettoyer à l'intérieur, faire sécher et tout, et puis voilà quoi. Pour info, vous connaissez sûrement son frère, qui a un pseudo très reconnu sur le live. Matteo Squelette. Vous cherchez Matteo Squelette, vous l'ajoutez, et puis vous aurez un super ami. C'est n'importe quoi cette vidéo. Oui, c'est vrai. C'est qui est bon. J'aime les vidéos qui servent à rien. On considérera ça comme un Tenko's freestyle et puis voilà. Ah, là il y est. On précise, on cherche pas à comprendre les couleurs de cramer et de. Ah. Parce que le mec il a eu la chiasse, il a chié dessus et puis voilà. Alors, est-ce qu'on a la pièce en question? Oui. C'est ça? Parfait. Parfait, parfait. Bon, on va couper ici pour l'instant. Apparemment, une Xbox peut marcher dans cet état. Hein? Ouais, le lecteur qui est en parfait état de marche. Hein. On passe à quitter la LED. Hein, c'est le montage semi la moitié du quart de montage professionnel. Voilà, voilà. C'est parfait, ça marche. Ouais, magnifique. Les clés de voiture, très pratiques pour allumer et éteindre les consoles. Bon, bah, on va pouvoir tourner des vidéos avec cette console. Ah bah, ça y est, il va continuer avec ces vidéos-là. Pardon. Allez, bon, ouais. Bah, ça suffira pour cette vidéo. Allez, gros bisous.